En quelques mots, j'ai tout simplement vidé cet étang. On met après poisson. Poisson. Ouais, fiche. Salut les amis pêcheurs, aujourd'hui on se retrouve. Bonjour à tous amis pêcheurs, amis fisheurs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous avons pêché un étang dit magique. Nous avons pu faire un concours sur cet étang, trois pêcheurs expérimentés et un pêcheur débutant. Donc aujourd'hui nous avons pêché dans deux étangs plutôt magiques. Nous avons décidé d'y faire un concours où nous allons mesurer la taille de chaque poisson et chaque centimètre rapportera un point à chaque pêcheur. En vous souhaitant un bon visionnage, n'hésitez pas de commenter, liker, s'abonner et d'activer les notifications. On commence à pêcher au chatter parce que les deux zigotos savent pêcher le chatter, mais moins leur souple. Et après, si jamais il n'y a pas de touche au chatter, je passerai sur mes leurs souples et là je pourrais essayer de valider des poissons avec une stratégie que personne n'aura faite. On se lance comme ça pour l'instant, on va voir ce que ça donne, si on peut au moins valider un poisson. Ok, merci pour la démonstration. Prochain les gars. Ici le drop, il est là. Oh, c'est pas débattu beaucoup. Et là il me trace par contre. Là il me trace, là il me trace, là il me trace. Un beau broc. Tac, je le trace, il viendrait. Oh non, j'ai cru qu'il viendrait épuiser les gars, mais non. On l'amène. Il drop. Let's go. Let's go, il est énorme. Et non, les gars, la stratégie qui a payé. Punaise, le premier fiche de la journée, les gars. On emmagasine les centimètres. C'est presque des courants. Tac. Si le poisson se release avant qu'on puisse le mesurer, ce serait une approximation qui sera donnée. On est aux alentours de 80 cm. Regardez bien la stratégie. J'avais mis une petite écrevisse au bout de mon chatter. Sauf que je ne l'ai pas piqué entièrement. Je l'avais piqué avant de le mesurer. Je l'avais piqué sur le bout de la tête. Ouais, fiche, il attendait. Les gars, poisson, poisson à la cam. Il attendait que le track shadow sorte. Les gars, poisson, poisson à la cam. Il attendait que mon track shadow se finisse. Oh, il est beau. 60. Je suis en reflet, moi, je vois rien. Vas-y. Non, je vois rien, moi. 70, je pense. Mais c'est lui qui a attaqué ton fiche, du coup. Ouais, ça devait être une perche, je pense. Et piquer sur le bord, sur le bord. Oh, je vois rien. Oh. Il fait plus de 70, je pense. Il est piqué au bord. Hein. Piqué. Piqué au bord. Oh, c'est le même. 80 points, les gars. J'égalise. 80 points, les gars. Let's go, le track shadow qui paye. Il fait 60. Ouais, il fait le même que moi. C'est le même que moi, c'est le même.
80. 80 points, les gars, tu légalises. 80, les gars. 80 dans l'épisode. Oh, t'es mag. Oh. Bah j'ai vu. C'est des crocs quand il a sauté, gros. Oh, c'est bon, petit fiche validé. Lucas était devant moi, il m'avait ruiné tous mes spots. Je passe en track shadow à distance. Fiche validé, track shadow, depuis les arbres. Combien de centimètres tu penses? Je pense un bon 80, hein. On va le mesurer de toute façon, on va vérifier. Ouais, ça. On va mesurer si le fiche est coopératif. Ah les gars, petit fiche mesuré, coopératif. 80 piles. Avec la table de mesure Savage. Et comme on va pouvoir le release. Ouais, pour l'instant la strat pour moi c'est de pêcher au coffee de LMAB avec une petite palette que j'ai rajoutée. Donc je pêche en texan. Pour l'instant ça paye pas trop, à voir les gars. J'adore la pêche. Oh merde. Merde les gars. Bon, on verra sur la vidéo, mais le mien on l'a pas mesuré, je suis niqué moi. Wouah, c'est impossible. Non, c'est pas le même, c'est sûr. Poisson. Bon broc. Les gars, c'est le concours, on essaye de le mettre direct dans l'épuisette. Tu l'as ? J'ai vu. Pète. T'as un plan ou pas? Oh, je sais. Oh les trucs qu'il faut. Oh des crocs les gars, des crocs. Oh non. Speed. Oh il a un fiche aussi. Mais non. Il l'a loupé. Mais... Poisson. Oh. Vas-y, trempe-le. Oh, the fuck. Il est vraiment piqué au bord, c'est tout. Vas-y, je te le trace, vas-y, allez-moi, let's go. Let's go! Fiche! Antoine il a un fiche aussi! What the fuck les gars, doublé! Doublé les gars, Antoine au fond, poisson! Let's go! Il est décro, il est vraiment piqué au bord, faux speed! Vas-y, je te le trace, vas-y, allez, voilà! Let's go! Let's go! C'est le même! C'est le même! Let's go! Let's go! Let's go! Ah gros, l'action! Ah le truc de fou! Il est gros le tien gros, il fait plus de 80. Hein. Il est gros encore celui-là! Oh la taille du steak gros! Oh là là! Mais non, il fait 80. Antoine, c'est chaud! Oh, il m'a pris! Ouais! Ouais, j'ai vu! Eh ben, oh, j'ai fait le même ici, pareil! Oh, délire! Let's go! Allez, je vais faire une photo avec les bros, je vous reprends. Non, une photo chacun est doublé. Deux monstres, deux beaux bestiaux. Bro. Allez. Alors les gars, voilà, j'avais perdu une patte dans mon écrevisse, mais j'ai quand même continué à pêcher au chatter.
sur ce lancer et je valide ce beau broc, grosse touche, et voilà, c'est validé. Et moi, comme je viens de vous l'expliquer il y a quelques secondes, je pêchais au coffee de LMM Bay avec une palette en texan. Et il rate la première fois, je relance et il prend. J'y croyais pas les gars, mais... Magnifique, ce doublé. Allez, doublé, doublé légendaire. Là les gars, 79. Non, c'est 79 hein. Beau fil. 79, ça c'est 80. 79, ça c'est 80. Ah, bon, un point de la bon. Un point après, c'est bon. Donc, je suis troisième pour l'instant. Donc les gars, un beau 82 pour Lucas. Let's go, chers amis. 82 points enregistrés. Let's go. Premier du classement. Allez, tu fais ta release, on mesure le mien, Lucas. Vas-y.